Cet hommage de Peter Wisbrot au théâtre, Jimmy Rocher, ce théâtre qui se déglingue complètement, c'est une image réaliste des troupes du cartel? Non, pas du tout. C'est d'ailleurs, le spectacle de Wisbrot, où le spectacle se déglingue complètement, est en même temps un merveilleux hommage au théâtre. Et le théâtre d'amateurs du cartel ne se déglingue pas, au contraire. Il vit de plus en plus fort. Il y a 20 ans, les troupes du cartel étaient des troupes un peu marginales, peu ou pas reconnues par les autorités locales. Toutes sont aujourd'hui subventionnées, mal peut-être, mais elles le sont. Elles le sont, oui. Vous êtes inscrit dans l'establishment maintenant? Non. Non, mais il est vrai qu'on est subventionné. Les jeunes gens un peu chevelus et barbus d'il y a 20 ans, eh bien c'est nous, on a des cheveux gris, et on a quelques milliers de francs de subvention. Et c'est bien parce que ça nous permet de créer des choses. Nous ne vivons pas de la subvention. Et ceci nous distingue tout à fait de pas mal de troupes officielles. Mais sans la subvention, nous ne pourrions pas faire le travail que nous faisons, c'est vrai. Dites donc, vous fichez de moi. Bonjour, monsieur le baron. Aristote. Comme si je portais le nom d'un chien.